Quelqu'un lise pour nous Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Someone should read for us Acts chapter 1, verse 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 19. 1 Thessalonians chapter 5, verse 19. N'éteignez pas l'esprit. Amen. Ephésiens chapitre 4, verset 30. Ephésiens chapitre 4, verse 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Amen. Actes chapitre 7, verset 55. Acts chapter 7, verse 55. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Amen. Acts chapter 11, verset 24. Acts chapter 11, verse 24. Car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi. Et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Amen. Isaïe 59, verset 19. Read for us Isaiah 59, verse 19. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Amen. Jean 14, verset 26. John 14, verse 26. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Amen. Le Saint-Esprit, the Holy Spirit, c'est lui le garant, c'est lui qui nous garde, qui nous assure. He's the guardian, he's the one who assures us. Toute la promesse de la puissance de Dieu. Of the promise of the Spirit of God. Ce que Dieu nous demande. What God is expecting from us. Ne peut pas être accompli par la chair et le sang. Cannot be accomplished by flesh and blood. La prière. Prayer. Qui peut entrer sous les rochers. That can go under rocks. Au fond des mers. Under the depths of the sea. Dans les abîmes. In the abyss. Entrer dans le séjour des morts. Go to Hades. Et aller dans les lieux célestes, renverser les principautés. And go to the heavenly realms to overthrow principalities. Ne peut pas être faite sans Saint-Esprit. Cannot be accomplished without the Holy Spirit. Il est dit que nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais que c'est le Saint-Esprit qui intercède pour nous par des soupirs inexprimables. It is said that for we do not know what we ought to ask, but the Holy Spirit intercedes for us with groanings that cannot be explained. Nous sommes à quelques jours de la fin de la croisade. We are a few days to the end of the crusade. Si cette vérité n'est pas rappelée, if we don't remind ourselves of this truth, beaucoup vont perdre le combat. Many would lose the battle. Parce qu'il y a la bataille collective. Because there is a collective battle. Et il y a la bataille individuelle. And there is the individual battle. Quand nous sommes ensemble, when we are together, nous cassons tout, nous brisons tout. We break everything and we nous renversons tout. And we overthrow everything. Nous dispersons tout. And we scatter everything. Après, afterwards, nous allons nous retirer. We will withdraw. L'ennemi va dire, essayez d'aller vérifier si tous sont forts dans cette affaire. The enemy will go and see whether all are strong in this issue. Et ils vont trouver certains affaiblis. And they will find some in spite. Et ils vont réorganiser la reconquête des territoires perdus. And they will organize the reconquest of some territories. Il faut que tu connaisses le combat spirituel. You must understand spiritual warfare. Que tu le comprennes. You must understand it. Quand les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte. When the children of Israel got out of Egypt. On a dit à Pharaon. They told Pharaoh. Qu'ils sont sortis. That they have gone. Ils ont même menti qu'ils ont fui.
They have even lied that they had escaped. Pharaon a rassemblé son armée. Pharaoh gathered his army. Il a pris 600 chars d'élite. He took 600 elite chariots. C'est-à-dire des chars conduits par des officiers supérieurs. That means chariots that were led 600. By superior officers. Et 600. Puis, il a pris tous les chars de l'Égypte. And then he took all of the chariots of Egypt. Il prend d'abord 600 chars d'élite. He first of all took 600 elite chariots. Après, il demande à toutes les villes de faire venir tous les chars qui sont dans leur compagnie. And then he asked the whole nation to bring out all the chariots that were in their barracks. Et ils sont venus. And then they came. Il leur a dit, he told them, je vous ai convoqué. That I summoned you. Nous devons poursuivre ces esclaves. We must go after those slaves. Et les ramener ici. And bring them back to this place. Parce que si nous les laissons, because if we let them go, nous n'aurons plus de service. We will no longer have service. Et ils sont partis. And they went pour ramener les enfants d'Israël. To bring back the children of Israel. Qu'est-ce que la Bible dit? Ces choses ont été écrites pour notre instruction. The Bible tells us that these things were written for our instruction. Dieu voulait nous enseigner. God was about teaching us. Il a laissé les guerres, il a organisé des guerres qui peuvent nous renseigner sur les techniques maléfiques. He organized warfare to be able to teach us on the techniques, on evil techniques. Donc, tout enfant de Dieu sait qu'après cette période, so each child of God knows that after this period, il faudra protéger le butin, l'héritage. We would have to protect the spoils, the inheritance. Il faudra tenir ferme. You must stand firm. Pour que l'ennemi ne vienne rien enlever. So that the enemy will not come to take back anything. Lis pour nous Romains chapitre 15, verset 4. Read for us Romans chapter 15, verse 4. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Amen. Tout ce qui a été écrit, for everything that was written, c'était pour nous instruire, was to teach us, pour nous former, to train us. Dieu nous montre comment Pharaon poursuit des gens qui n'ont même pas d'armes. God is showing us how Pharaoh is pursuing people who don't even have weapons. Ils sont des esclaves, ils n'ont pas d'armes. They are slaves without weapons. Ils n'ont pas de chars. They don't have chariots. Ils n'ont rien. They have nothing. Mais quelqu'un mobilise 600 chars d'élite et tous les chars de son pays pour poursuivre des esclaves faibles. But someone mobilizes 600 elite chariots and all the chariots of the nation to go after weak slaves. Ça veut dire que l'ennemi et sans pitié. It means that the enemy has no mercy. Mais Jésus l'a écrasé. But Jesus has crushed him. Hallelujah. Hallelujah. Il ne peut rien. He can do nothing. Comme il n'a rien, il n'a pas pu atteindre Israël. Since he was unable to get to his goal. C'est aussi un message pour nous tous. It's also a message for us all. Que le Seigneur nous donnera toujours la victoire. That the Lord will always give us victory. Cependant, meanwhile, le Seigneur nous demande une chose. The Lord is asking for one thing from nous us. Nous avons un ami fidèle. We have a faithful friend. Le Saint-Esprit. The Holy Spirit. Ne l'attristez pas. Do not attrist the Holy Spirit. Ne l'éteignez pas. Do not bring down his flame. C'est le secret. That is the secret. Quand vous entendez que quelqu'un dormait, l'esprit est venu, il l'a taillé en pièces, c'est le Saint-Esprit. When you hear that somebody was sleeping and someone came and beat up his enemies, it is the Holy Spirit. Il vivifie l'esprit humain. He enlivens the human spirit. Il fait en sorte que l'esprit humain devienne comme une flamme. He makes it in such a way that the human spirit becomes like a flame. Comme le vent. Like the wind. Quand il t'anime, when he works in you, tu es invincible. You cannot be conquered. Il te conseille, il te guide, il te parle, il te fortifie.
He advises you, he guides you, he speaks to you, and he strengthens you. Il te révèle. He reveals things to you. Il t'annonce. He announces things to you. On ne peut pas te surprendre. You cannot surprise him. Mais but ne l'éteignons pas. Let's not bring down his flame. C'est le Saint-Esprit est une personne de la Trinité, la troisième personne de la Trinité. The Holy Spirit is a person, is the third person in the Trinity. Donc tu peux l'attrister. So you can make him sad. Il peut te dire allons à gauche. He can say let's go left. Tu refuses. And you refuse. Puis tu l'attristes. You make him sad. Toi tu vas aller à droite, lui il va aller à gauche. Want to go right, he wants to go left. Qu'est-ce qu'il va faire? What would he do? Il te laisse. He leaves you. Et il est là. Quand tu es isolé, when you are isolated, c'est là où le diable peut tout essayer. That is when the devil can try everything. Quand on dit que le diable rôde, when we say the devil is roaming around, quand il voit le Saint-Esprit, il ne te touche pas. When he sees the Holy Spirit, he does not touch you. Il attend. He is waiting. Le jour où votre relation va se gâter. The day that your relationship will be spoiled. Quand tu causes avec le Saint-Esprit, when you discuss with the Holy Spirit, il ne s'approche pas. He does not come near. Parce qu'il est écrit. Because it is written. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, when the enemy will come like a flood, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. The Spirit of the Lord will put him to flight. Hallelujah. Hallelujah. Donc il passe le temps. So he spends his time. Quand il observe, when he observes que tu es seul, that you are alone, seul, alone, il commence à planifier. He starts planning. Il sait que le conseiller n'est pas là. He knows that the counselor is not there. Il commence à te dire, allons. And then he starts telling you, let's go. Allons nous promener. Let's go and stroll. Tu dis non, je veux chercher la volonté de Dieu. Non, laisse la volonté de Dieu. You say no, I want to seek the will of God. He says no, leave that will of God aside. N'est-ce pas Dieu t'a donné une volonté? Did God not give you a will? Tu dis oui. You say yes, he did. Alors allons-y. So let's go, let's go. Allons-y. Let's go. Et il te ramène où? En captivité. So where does he take you to? He takes you into captivity. Avant de te détruire, il te fait renoncer à un principe divin. Before destroying you, he makes you to denounce a divine principle. Le diable sait que tant qu'il ne t'a pas fait tomber, il n'est pas très sûr. The devil knows that as long as he has not made you to fall, he's not very sure. Il te ramène. He brings you back. Il sait que un enfant de Dieu cherche la volonté de son père. He knows that a child of God seeks the will of his father. Il peut te dire de ne pas pardonner, que les gens te menacent trop. Il ne faut pas pardonner. He can tell you not to forgive. That people threaten you too much is too much. Do not forgive. C'est trop. It's too much. Tu dis oui, c'est vrai. J'ai trop supporté, c'est vrai. You say yes, it's true. I can no longer bear it. It's true. C'est vrai. Il te dit allons. He says yes, let's go. Ne va pas chez le pasteur Meunier, il va te dire de pardonner. C'est comme ça, ces gens-là. Allons. Don't go to Pastor Meunier, he will tell you to forgive. That's how those people are. Let's go. Même Dieu lui-même, n'est-ce pas, il a jugé Satan. Even God himself, didn't he judge Satan? N'attriste pas le Saint-Esprit. Do not grieve the Holy Spirit. Si tu pratiques le péché, if you practice sin, tu éteins le Saint-Esprit. You are grieving the Holy Spirit. Si tu vis dans les fardeaux, if you live in burdens, les fardeaux, burdens, your own burdens, tu éteins le Saint-Esprit. You are bringing down his flame. Si tu vis dans les soucis, if you live in worries, les soucis, live in worries, tu éteins le Saint-Esprit. You are grieving the Holy Spirit. Les choses comme le manque de pardon, tu éteins le Saint-Esprit. Things such as a lack of forgiveness, you are grieving the Holy Spirit. Si tu vis dans une convoitise permanente, tu éteins le Saint-Esprit. If you live in permanent covetousness, you are grieving the Holy Spirit. Si tu as peur de l'ennemi, tu éteins le Saint-Esprit. If you are afraid of the enemy,
you are grieving the Holy Spirit. Le Seigneur dit, ne crains rien. The Lord says, do not fear anything. Quand un enfant de Dieu tremble, when a child of God trembles, le Saint-Esprit, il s'appelle le consolateur. The Holy Spirit is called the comforter. Il te dit, ne crains rien, il n'y a rien. Le diable est vaincu depuis. Tu trembles seulement. Il te donne toutes les exhortations. Tu trembles seulement. Il te laisse. He says, don't fear anything. The devil has been overcome. You only continue to tremble. And when he exhorts you and you continue to tremble, he leaves you alone. Il te donne tous les encouragements. Tu ne fais que trembler. He gives you all the encouragements. You continue to tremble. Tu éteins le Saint-Esprit. You are grieving the Holy Spirit. Quand il est là, when he's there, on dit Étienne était rempli du Saint-Esprit. The Bible says that Stephen was filled with the Holy Spirit. Tous ceux qui ont fait des exploits dans la Bible étaient remplis du Saint-Esprit. All those who did exploits in the Bible were filled with the Holy Spirit. Pour manifester les dons spirituels, il faut le Saint-Esprit. To manifest spiritual gifts, you need the Holy Spirit. Pour persévérer, il faut le Saint-Esprit. To persevere, you need the Holy Spirit. Jésus a dit, Jesus said, attendez-le. That wait for him. Attendez-le. Wait for him. Il dit, une puissance va venir d'en haut. That power will come from above. Donc, et le Saint-Esprit est nous. And the Holy Spirit and us. C'est nous et le Saint-Esprit que Dieu envoie dans le monde. It is we and the Holy Spirit that God sends into the world. Dieu ne nous envoie pas dans le monde sans le Saint-Esprit. God doesn't send us into the world without the Holy Spirit. Il ne nous conseille même pas d'y aller sans le Saint-Esprit. He doesn't even advise us to go without the Holy Spirit. Tu dois te retirer pour qu'il te remplisse. You must withdraw so that he fills you. Tu dois enlever les idoles. You must take away idols. Quand tu aimes les choses plus que Dieu, tu éteins le Saint-Esprit. When you love things more than God, you put off the Holy Spirit. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Il faut se réconcilier avec le Saint-Esprit. You must reconcile yourself to the Holy Spirit. Juges 13, 24, 25. Judges chapter 13, verse 24 and 25. La femme enfanta un fils, lui donna le nom de Samson. L'enfant grandit et l'Éternel le bénit. Et l'Esprit de l'Éternel commença à l'agiter à Makané Dan, en Soréa et Eshtaol. Amen. Donc nous voyons ici que c'est par la puissance du Saint-Esprit que Samson bougeait. Il était agité. You see here that it was by the power of the Holy Spirit that Samson moved. He was stirred by the Holy Spirit. Si tu vois quelqu'un, il se lève, il évangélise, il se lève, il chante, il compose un chant, il prêche l'évangile, il prend un jeune, c'est le Saint-Esprit qui l'agite. If you see someone who gets up and evangelizes and takes a fast and sings a song and composes songs, it is the Holy Spirit that is at work in him. Quand le Saint-Esprit n'est pas là, on est lourd, passif, on n'est pas inspiré. When the Holy Spirit is not there, we are heavy, passive, and uninspired. Si on te dit de prier, les mots, tu cherches les mots. When they ask you to pray, you are looking for words. Tu cherches les mots. They're looking for the right words. C'est lui qui agitait Samson entre Makané Dan et Estawol. He's the one who stirred Samson to go to Mahane and to Ascalon. Les gens disent, il cherche quand même. Il va, il monte. He was moving about. And people asking, what is he even doing? Dieu voulait utiliser Samson pour punir les Philistins. God wanted to use Samson to punish the Philistines. Donc l'esprit cherchait des provocations pour que les Philistins viennent et qu'ils les frappent. So the spirit was looking for a provocation so that the Philistines would come for him to strike them. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, il t'amène dans les champs de combat. When you are filled with the Holy Spirit, he takes you into the battlefields. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Il te met devant les âmes et puis il te fait prêcher et puis il convertit les âmes. He puts you before souls, you preach the gospel and then he converts the souls. Gagner une âme ne devrait pas être une grosse affaire. To win a soul was not supposed to be a big issue. Parce que c'est le travail du Saint-Esprit. Because it's the work of the Holy Spirit. Juge. Come and read Judges. Chapitre 15, verset 9 à 15. Judges chapter 15, from verse 9 to 15. Alors les Philistins se mirent en marche, campèrent en Juda, et s'étendirent jusqu'à Léchi. Les hommes de Juda dirent, pourquoi êtes-vous montés contre nous? Ils répondirent, nous sommes montés pour lier Samson afin de le traiter comme il nous a traités.
Sur quoi 3000 hommes de Juda descendirent à la caverne du rocher d'Étam et dirent à Samson, « Ne sais-tu pas que les Philistins dominent sur nous ? Que nous as-tu donc fait ?» Il leur répondit, « Je les ai traités comme ils m'ont traité. » Il lui dit, « Nous sommes descendus pour te lier, afin de te livrer entre les mains des Philistins. » Samson leur dit, « Jure-moi que vous ne me tuerez pas. » Il lui répondit, « Non, nous voulons seulement te lier et te livrer entre leurs mains, mais nous ne te ferons pas mourir. » Et ils le lièrent avec deux cordes neuves et le firent sortir du rocher. Lorsqu'il arriva à Léchi, les Philistins poussèrent des cris à sa rencontre. Alors l'Esprit de l'Éternel le saisit. Les cordes qu'il avait au bras devinrent comme du lin brûlé par le feu et ses liens tombèrent de ses mains. Il trouva une mâchoire d'âne fraîche, il étendit sa main pour la prendre et il en tua 1000 hommes. Amen. Ça, c'est le travail du Saint-Esprit. That's the work of the Holy Spirit. On ne peut pas lier un homme rempli du Saint-Esprit. We cannot bind a man full of the Holy Spirit. Samson a frappé les Philistins, il a brûlé leurs champs. Samson struck the Philistines and burnt up their farms. Et ils le poursuivaient pour l'arrêter. And they were pursuing him pour se saisir de lui. To lay hold of him. Et ils ont menacé les enfants d'Israël. And they threatened the children of Israel. Les enfants d'Israël tremblaient devant les Philistins. And the children of Israel were trembling before the Philistines. Ils ont dit, bon, livrez-nous Samson, c'est tout. Nous ne voulons pas faire la guerre avec vous. Livrez-nous seulement notre ennemi. And they said, just give us Samson. We don't want to make war with you. Give him over to us. He's our enemy. Ils ont demandé pardon à Samson. Permets qu'on te lie. And they asked Samson, please, just let yourself be bound. Il leur dit, mais ne me faites pas de mal. And he said, well, don't do il dit, any. Non, on ne va rien faire. On te lie seulement. He said, do not harm me. They said, okay, we'll not harm you. We'll just bind you. On l'a lié avec des cordes. And they bound him with ropes. Alléluia. Alléluia. Donc ils ont les Philistins. L'ont donc pris. So the Philistines took him. Dès qu'ils ont poussé des cris qui sont contents, l'esprit de le Saint-Esprit est descendu sur Samson. As soon as they cried, they shouted out, the Spirit of God came down upon Samson. Les cordes se sont brûlées. And the robes were burnt up. Et ils sont tombés. They melted up and they fell down. Personne ne peut te lier si tu es rempli du Saint-Esprit. Nobody can bind you if you are filled with the Holy Spirit. Personne ne peut t'enfermer dans un cercueil. Nobody can close you in a coffin. C'est pour cette raison qu'il faut garder ce niveau de combat que nous avons atteint. That is why you should keep this level of warfare that we have attained. Il y a une manière de faire avec le Saint-Esprit qui libère les prisonniers. There is a way of working with the Holy Spirit that releases prisoners. Certains sont étonnés qu'après 10 ans, on dit que son esprit était dans un cercueil. Ils sont étonnés. Some people are surprised that after 10 years, they tell you that your spirit was in a coffin. They are surprised. Quand ta vie est monotone, pas de prière violente, tout est waya, waya, fleke, fleke, ça ne peut pas brûler les cordes, ça ne peut pas brûler les liens. When your life is cold, there's only monotonous prayers. You cannot burn ropes. C'est pour cette raison que nous aurons une nuit de combat chaque semaine ici. That's why we have a night of warfare every week here. C'est-à-dire que si on vient, that is if we come, on lance un sujet, on prie 30 minutes sans arrêter. We pray for 30 minutes on one topic without stop. Ça remue les fonds des mers. It shakes the bottom of the sea. Ça secoue les abîmes. It shakes the abyss. C'est là où les cercueils s'ouvrent. That's where coffins are open. Dans ta marche, écoute toujours le Saint-Esprit qui habite en toi. In your walk, you should always listen to the Holy Spirit that abides in you. S'il signale, if he signals, tu laisses. You stop. C'est comme ça qu'on marche avec lui. That's how we walk with him. S'il te signale un danger, tu laisses. If he signals that there is a hazard, you stop. Et votre amitié va se consolider. And your friendship will be consolidated. Pas de soucis. No worries. Pas de craintes. No fears. Pas de fardeau. No burdens. Pas de manque de pardon. No lack of forgiveness. Pas de convoitise.
No covetousness. Pas de péché volontaire. No voluntary sins. C'est notre partenaire. He is our partner. Nous travaillons avec le Saint-Esprit. We work together with the Holy Spirit. Dieu n'a pas envoyé l'église sans le Saint-Esprit. God did not send the church without the Holy Spirit. Donc, première prière ce soir. The first prayer tonight. Tu parles-lui, dis-lui Saint-Esprit. Just speak to him and say, Holy Spirit. Pardonne-moi mon infidélité. Forgive my unfaithfulness. Je n'ai pas entretenu notre relation. I have not kept our relationship. Parle-lui comme on parle à une personne. Comme tu parles à Dieu le Père et Dieu le Fils. Speak as if you are speak like you speak to someone, as you speak to God the Father and God the Son. Dis-lui que je sais que nous nous sommes séparés dans tel carrefour. Tell him that I know that we got separated at this junction. Quand tu me disais attends, attends, j'ai refusé. When you told me to wait and I refused. Et pendant que je parle, il est en train de te montrer où est née la séparation. And while I'm speaking, he's showing you where the separation came from. Et il est en train de te montrer. And he's showing you. Parce qu'il ne peut pas nous laisser dans la confusion, il te montre. Because he cannot leave us in confusion, he's showing you. Et il te montre. And he's showing you. Cause avec lui. Discuss with him. Chacun va parler avec lui. Each one will converse with him. Que rien que la réconciliation soit comme une bombe dans le camp de l'ennemi. So that only the reconciliation will be like a bomb in the camp of the enemy. La finalité de tous ces combats, c'est quoi? C'est la vie éternelle avec Dieu, avec le Père, avec le Saint-Esprit. The end result of all this warfare is eternal life with God. La vie éternelle avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. And with God the Father, the Son and the Holy Spirit. Après tous ces combats, qu'est-ce qui nous attend après tous ces combats? C'est la vie warfare, éternelle. After all this warfare, what awaits us is eternal life. Commence à parler. Start talking. Tenons-nous debout pour éviter que le sommeil ne vole quelque chose. Let's stand up so that sleep will not steal anything. Est-ce que tu as vu? Have you seen? Là où la séparation a eu lieu. Where the separation took place. Est-ce que tu vois? Can you see? La Bible dit, mets-toi en colère, mais ne pêche pas. The Bible says, be angry, but do not sin. Il y a des gens qui se fâchent un jour, deux jours, trois jours, ils pensent qu'ils ont raison. There are people who get angry for one day, two days, three days, and they think that they are right. Le Saint-Esprit est déjà resté loin. The Holy Spirit has already left them long ago. Si les Philistins arrivent, if the Philistines come, ils vont te lier. They will bind you. Et il n'y aura pas de feu pour brûler les liens. And there will be no fire to burn their bonds. Prions. Let's pray. Dis-lui, j'étais attristé, j'étais éteint. Tell him that I've grieved you and I've put you off. Et je suis allé moi seul dans les batailles. And I've gone all alone into warfare. Et j'ai connu beaucoup d'échecs. And I've known many failures. Tout ce que le Père a planifié pour moi. All that the Father has planned for me. Il l'a planifié avec toi. He planned it with you. Je ne peux rien sans toi. I can do nothing without you. J'ai été insensé. I have been unwise. J'étais attristé. I grieved you. Je me repens. I repent. Je reviens. I come back. J'ai besoin de toi. I need you. Guide-moi. Conduis-moi. Remplis-moi. Fill me. Oins-moi. Continue à prier. Saint-Esprit, so Holy Spirit, j'ai besoin de toi. I need you pour comprendre la parole de Dieu. To understand the word of God. Pour lire la parole de Dieu. To read the word of God. Pour annoncer l'évangile.
To proclaim the gospel. Pour enseigner l'évangile. To teach the gospel. Pour pratiquer l'évangile. To practice the gospel. J'ai besoin de toi. I need you. Pour donner à Dieu. To give to God. J'ai besoin de toi. I need you. Pour gérer ce qui me revient. To manage what is mine. J'ai besoin de toi. I need you. Pour planifier ma vie. To plan my life. J'ai beaucoup d'idées. I have many ideas. Je ne sais pas planifier. But I don't know how to plan. Je n'ai pas d'intelligence. I don't have the knowledge. Je n'ai pas de révélation. I don't have revelation. Je n'ai pas d'inspiration. I don't have inspiration. Reviens. Come back. J'ai besoin de toi. I need you. Continue à intercéder. Continue to intercede. Oh Holy Spirit, j'ai besoin de toi. I need you. Pour remporter des victoires dans les batailles. To gain victories in battle. Pour conserver les terrains gagnés. To conserve the grounds that have been gained. Pour conserver l'héritage. To conserve the inheritance. J'ai besoin de toi. I need you. J'ai besoin de toi. I need you. Pour connaître comment on intercède. To know how to intercede. J'ai besoin de toi. I need you. Pour méditer la parole de Dieu. To meditate on the word of God. Continue à intercéder dans tous les domaines où tu as besoin de lui. Continue to intercede in all the domains that you need him. Dans tous les domaines où tu as besoin de lui. All the domains that you need him. Dis, oh Saint-Esprit. Say, oh Holy Spirit. Agis à travers le baptême. Act through baptism. Et agis à travers la plénitude. And act through fullness. Yeah, agis à travers le baptême dans le Saint-Esprit. Act through the baptism into the Holy Spirit. Et agis à travers la plénitude. And act through the fullness. Agis à travers les dons spirituels. Act through spiritual gifts. Et agis à travers le fruit de l'Esprit. And act through the fruit of the Spirit. Prions en langue. Let's pray in tongues. Sois baptisé maintenant. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Par la foi maintenant même. By faith, right now. Sois rempli du Saint-Esprit. Be filled with the Holy Spirit. Sois rempli du Saint-Esprit. Be filled with the Holy Spirit. Sois rempli du Saint-Esprit. Be filled with the Holy Spirit. Sois rempli du Saint-Esprit. Be filled with the Holy Spirit. Sois rempli du Saint-Esprit. Be filled with the Holy Spirit. Reçois ton baptême maintenant. Receive your baptism right now. Reçois ton baptême maintenant. Receive your baptism right now. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Reçois ton baptême maintenant. Receive your baptism right now. Prie en d'autres langues. Pray in other tongues. Prie en d'autres langues. Pray in other tongues. Kalabakashur galabakashur galabakashur galabaka. Urubakashur galabakashur galabaka. Urubakashur galabaka. Alléluia. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Reçois dans la plénitude. Be in the fullness. Reçois dans la plénitude. Be in the fullness. Ouvre ta bouche. Open your mouth. Et que l'Éternel la remplisse. And may the Lord fill it. Ouvre ta bouche. Open your mouth. Que l'Éternel la remplisse. And may the Lord fill it. Ouvre ta bouche. Open your mouth. Que l'Éternel la remplisse. And may the Lord fill it. Ouvre ta bouche. Open your mouth. Que l'Éternel la remplisse. And may the Lord fill it. Que l'Éternel la remplisse. May the Lord fill it. Que l'Éternel la remplisse. May the Lord fill it. Que l'Éternel la remplisse. May the Lord fill it. Karabaka shoro baka shara baka shoro baka. Goro baka shoro baka shoro baka shoro baka. Si tu parles en langue, reçois les nouvelles langues. If you speak in tongues, receive new tongues. Reçois l'interprétation des langues. Receive the interpretation of tongues. Reçois les langues. Receive new tongues. Et reçois l'interprétation des langues. And receive interpretation of tongues. Reçois les langues. Receive tongues. Et reçois l'interprétation des langues. Receive the interpretation of tongues. Kalabashara gabaga shur gabaga gabaga shur gabaga gabaga shur gabaga gabaga shur gabaga gabaga. Tu peux t'asseoir.
You can be seated. Que tout esprit, every spirit, étranger à l'œuvre du Saint-Esprit, that is opposed to the work of the Holy Spirit, s'en aille. May it go away. Que tous les démons, let every demon, qui donnait les faux parler en langue, that was giving false tongues, les faux parler en langue, false tongues, s'en aille. Go away. Tout esprit, every spirit, envoyé par Satan pour parler en langue, sent by Satan to speak in tongues, s'en aille. Go away. Kalabakashar. Que seule l'œuvre du Saint-Esprit, may only the work of the Holy Spirit, seule l'œuvre du Saint-Esprit subsiste. Let only the work of the Holy Spirit remain. Tout esprit étranger, every foreign spirit, soit jugé, may be judged, délogé, dislodged, jugé, délogé, judged, dislodged, et qu'il s'en aille, and go away. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Que le Saint-Esprit reprenne contrôle de tout l'être. May the Holy Spirit take control of every being. Esprit, âme et corps. Spirit, soul and body. Tout l'être. The whole being. Au nom de Jésus Christ. In the name of Jesus Christ. Que tout esprit étranger à l'entreprise de Dieu. Every spirit that is foreign to God's work. Tout esprit étranger à l'entreprise de Dieu. Every spirit that is foreign to God's work. Sors. Out. Sors. Out. Va-t'en vite. Go away quickly. Sors et va-t'en. Out and go away. Tout esprit, every spirit, étranger à l'œuvre de Dieu, that is foreign to the work of God. Tout esprit, every spirit, de mensonge, of lies. Tous les démons qui se cachent, every demon that is hiding, pour faire comme s'ils étaient des anges de lumière, to make as if it was an angel of light. Les mauvais esprits méchants, wicked and evil spirits, sort out et va-t'en vite, and go away quickly. Au nom de Jésus Christ. In the name of Jesus Christ. Si tu as reçu un don spirituel par la foi, tu dis merci à Jésus. You have received a spiritual gift by faith. Thank the Lord Jesus Christ. Le Seigneur a déversé les dons. The Lord has poured out gifts. Certains ont reçu de nouvelles langues. Some have received new tongues. Continue à t'exprimer. Continue to express yourself. Ne t'occupe pas de ce que font les démons. Do not get preoccupied with what the demons are doing. Tu dois rester concentré. You must remain concentrated. Ceux qui doivent partir savent. Those that must go know. Et ils savent. And they know. Que l'heure est arrivée. That the hours come, pour qu'ils s'en aillent maintenant, for them to go right now. Il n'y aura pas de repos. There will be no rest. Il n'y aura pas de secours extérieur. There will be no external help. Il n'y aura pas de renfort. There will be no reinforcement. Au nom de Jésus Christ. In the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus Christ. In the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus Christ. In the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus Christ. In the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus Christ. In the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus Christ. In the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que tout esprit, every spirit, étranger à l'œuvre de Dieu, that is foreign to the work of God, s'en aille. Out. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Et tu ne reviens plus jamais. And you should not come back. Tu ne reviens plus jamais. And you should never come back. Tu ne reviens plus jamais. Should never come back. Tu ne reviens plus jamais. Should never come back. Jamais, 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 jamais. Never, never, never. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Pose les mains sur ta tête. Lay your hands on your head. Dis Seigneur. Say Lord. Que le feu. Let the fire. Descende et consume tous les liens. Come down and consume every bond. Que le feu de l'esprit. Let the fire of the spirit. Consume les liens. Consume every bond. Que le feu de l'esprit. Let the fire of the spirit. Consume les liens. Consume the bonds. Que les liens soient brûlés. May the bonds be burnt.
Dis, je proclame ma liberté. I proclaim my freedom. Je proclame ma liberté. I proclaim my freedom. Dis, par la puissance de Jésus. By the power of Jesus. Personne ne peut me lier. Nobody must bind me. Par la puissance de Jésus. By the power of Jesus. Personne ne peut me lier. Nobody can bind me. Dis, et mon ennemi. C'est my enemy. Tu as vu ce qui s'est passé avec ça. You saw what has gone. You saw what happened. Avec Samson. With Samson. Quand les Philistins ont poussé les cris. When the Philistines shouted out. Ce Dieu là. That God. C'est notre Dieu. It's our God. C'est lui. He is the one qui nous délivre de nos angoisses. Who delivers us from our anguish. C'est lui. He's the one qui nous délivre de nos liens. Who delivers us from our bound bonds. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Dis-lui merci maintenant. Tell him thank you now. Il n'est pas sourd. He's not deaf. Il entend. To hear. Et il exauce. And he answers. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Dis-lui merci, merci, merci. Tell him thank you, thank you, thank you. Amen. Amen. Maintenant, tenons-nous debout. Now let's stand. Jésus-Christ. Jesus Christ. Chacun présente ses requêtes. Ce qui est déjà exaucé, tu enlèves. Everyone presents his request. Si tu es là pour la première fois, if you are here for the first time, nous sommes maintenant en train de prier. We are now praying. Chacun présente à Dieu 10 choses. Everyone is presenting requêtes. To God 10 requests. 10 requêtes. 10 requests. Des choses que l'homme ne peut pas te donner. Things that man cannot give you. Personne ne peut te contrôler. No one can control you. About it. Tu demandes ce que tu veux. You ask what you want. Il est notre Père. He is our Father. Il est notre Père. He is our Father. Si tu veux ajouter un sujet, if you want to add a topic, qui selon toi, which according to you, est très important mais que tu as manqué de discernement. It's very important, but you lacked discernment when you were preparing your topics. Ajoute-le. You should add it. Notre Dieu n'est pas limité. Our God is not limited. Nous disons 10 pour apprendre à identifier les vrais besoins. We say 10 so that we can learn to identify our true needs. Si tu dis 1000 sujets, if you say 1000 topics, tu verras que ta liste même ne sera pas complète. Tu vas citer une vingtaine, tu seras fatigué. You say that your list will not be complete because you cite like 20 and then your list will be over. You don't have anything to talk about again. Commençons la prière. Let's begin praying. Dis, oh Père. Say, oh Father. Nous voici devant ta face. Here we are before you. Tu as dit toi-même. You said. Ne vous inquiétez de rien. Don't be anxious for nothing. Mais faites connaître vos besoins à Dieu. But make your request known to God. Par des prières et des supplications. By prayer and supplication. Avec des actions de grâce. With thanksgiving. Parle-lui, présente-lui tes present your needs to him now. Dis, oh Père. Say, oh Father. Exauce-nous. Answer us. Prions en langue. Let's pray in tongues.
Commence à dire merci à Jésus. Say thank you to Jesus. Amen. Amen. Acclamons pour Jésus-Christ. Let's clap for Jesus Christ.